quoi ça? Ça, ça pourrait être plein de choses et pas très sympathique. Ah, arrête. Voici notre billet vers le monde des esprits. Non, 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 j'ai eu assez les chocottes pour cette nuit, c'est clair? Dans ma boule de cristal, je vois un bain chaud. Alors amusez-vous bien. Je suis désolé, c'était délire. Non, Jessica! Oh putain! Oh, c'est pas vrai! Oh, merde! Une personne en particulier retient toute notre attention, mais nous ignorons tout son emploi du temps. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache?
Oh putain, c'est dégueu. C'est ça qui leur donnait à manger ? Ah 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 merde ah ah merde ah 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 Sérieux, et maintenant je dois trouver une saloperie de carte magnétique. Oh putain, c'est dégueu. Ça a germé. Ok, allons voir ça. Gentil, Toutou. Gentil.
tout doux. C'est bien, la bête. C'est bien. Voilà. C'est ça, tout doux, voilà. Alors, t'aimes ça? Ouais? Un peu d'affection, ça fait pas de mal, hein? Ça devrait suffire à combler leur faim de loup. Ouais, c'est ça. Ouais. Gentil, toutou. Gentil. Bien sûr, c'est fermé. Ok. Merde. 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 Hey, c'est fermé. Putain, qui a fait ça? Sérieux, il se passe des putains de trucs vraiment étranges ici ce soir. J'arrive pas à croire que Josh soit mort. J'arrive pas à croire comment il est mort. Non, enfin, et s'ils avaient tort? Quoi? Peut-être qu'on aurait dû aller à la cabane pour en être sûr. J'en sais rien. Il y a des trucs, une fois qu'on les a vus, bah, on peut pas les oublier. Ouais, c'est vrai, mais... des fois, c'est quand même mieux de vérifier. Je vais les croire sur parole. Regarde! Une hache! Oh, mais quoi? C'est fermé, Matt! Casse la porte, tu veux? Attends une minute. Il va nous entendre si on commence à tout casser. Parce que t'as une meilleure idée? Ah, pas là, non. Si! Regarde! Quoi? Une fenêtre. Ah, super, Matt. Je peux à peine faire passer mon baume à lèvres à travers ce trou. Allez, sérieux! Tu passeras jamais par là, mon grand. Mais toi, si. T'es malade? Tu veux me faire passer par ce tout petit trou?
Je t'ai vu rentrer dans des jeans plus cirés que ça, M. Oh, pardon? C'est un talent. Trouve autre chose, parce que là, pas moyen. Si ça se trouve, ce taré peut tout à fait être là, sous la fenêtre, à nous attendre pour nous découper en rondelles. Ok. C'est parti. Je respire, et je vais. Mais mine-toi! Ça vient juste de se passer. Putain, mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Mais c'est sûrement le type, celui qui a eu Chris et Ash et Josh. Il doit savoir que c'est notre seule issue. Oh, dis pas ça. Regarde, le téléphérique est tout là-bas. Bah, c'est pas si loin, si. Tu peux l'atteindre? Je suis doué, Emma. Mais pas tant que ça. Mais merci. Mais Matt, si tu peux pas sauter, comment on va faire? J'en sais rien. Super. Pas de clé, pas de téléphérique. Donc, retour à la case départ. Matt, il nous faut un autre plan. On peut pas rester ici et rien faire. Il doit bien y avoir quelque chose qu'on puisse faire. Je t'écoute. Regarde ce foutoir. Il doit bien y avoir quelque chose d'utile là-dedans. Et regarde. Une tour de guet. Peut-être que cette vieille tour aura, je sais pas moi, une radio, un téléphone, quelque chose. Peut-être. C'est pas comme si on avait d'autre choix. Sûrement, ouais. Matt, nous devons trouver cette radio. Il y a bien quelqu'un qui devrait capter le signal. Ah, bien. Je vois qu'on apprend à jouer selon les règles. Quoi? Mais quelles règles? Règle numéro 1, Emily a toujours raison. Règle numéro 2, on se fout du reste car Emily a toujours raison. Hé, hey, attends. Qu'est-ce que tu fais? Je nous sors d'ici, monsieur l'intello. Regarde cette beauté. Toi, tu viens avec moi. Et voilà le travail. Amène-toi. On peut carrément partir d'ici. Ça va? Ouais. Tiens, tu peux peut-être passer devant pour me protéger. Ok. Ok. Tout doucement. Ok, c'est bon. Oh la vache. Presque. Presque. Je me sens pas super bien. Regarde pas en bas. Oh. Ok. Ok. Oh, putain de bordel de merde, on en a fini. Ouais, carrément. Quoi? La radio. Ça va marcher. Mais si ça marche pas, il faut un plan. Peut-être qu'on peut juste descendre. Descendre quoi? La montagne. Oh, arrête tes conneries. C'est quoi le problème? C'est pas comme si elle était suspendue dans les airs. Ouais, et ben ça change rien. On n'y voit que dalle. Hey, si ça se trouve, on n'aura pas besoin de le faire. Tu crois que le psychopathe va juste lâcher l'affaire et s'enfuir? Non. Mais on doit peut-être trouver une cachette. S'y planquer et attendre. Ça sera plus facile de tirer cette histoire au clair dans la matinée. Mais on va pas se cacher dans le chalet. C'est là qu'il s'attend à nous trouver.
Merde, c'est quoi ça? J'en sais rien. Putain, merde! Les mecs? Qu'est-ce que vous faites encore? Une mauvaise blague? Ok. D'accord, c'était très drôle, ha ha ha, de regarder Sam se balader en serviette. Mais maintenant, j'aimerais juste vraiment que ça s'arrête, ok? C'est bon pour vous? Ok, si vous essayez de me faire flipper, eh ben, c'est réussi. Mais vous êtes où, putain? Wow, c'est bizarre. Hé! Merde, quoi! C'est fini, d'accord? J'apprécie vraiment pas votre silence, bande de cons! Salut, Samantha. Tu me cherchais. Je ne pense pas que tu réussisses à me trouver, Samantha. Quoi, ça? Tu verras seulement ce que je veux te montrer. Et j'ai beaucoup de choses à te montrer. Qu'est-ce qui se passe, là? Ouvre les yeux. Oh, la vache! C'est une vraie beauté, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est, Nico? Un joli petit oiseau. Pourquoi? Penses-tu qu'elle ait une idée de ce qui l'attend? Crois-tu que ce soit les derniers moments de joie de cette petite créature? Pourquoi vous me montrez tout ça? Pourquoi regardes-tu? Josh! Quel effet sur tes frères? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Je vais te donner 10 secondes. 9. Non, 8. Non. 7. Poignée.
désolé. Alors, c'était stimulant, non? Bien joué. Votre partie semble se dérouler à merveille. Oui, toutes ces heures passées à découvrir l'origine de vos peurs. Et vous vous en servez à tort. Votre peur dévorante de la solitude. Vous en avez fait un outil contre les personnes que vous désirez tourmenter. Cela en valait-il la peine ?